organisation, l'INTAC, en fait en anglais, c'est Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. C'est un peu ce que vous avez en France, les monuments historiques. Donc nous, on est responsable pour le sauvegarder du patrimoine. Notre bureau central est à Delhi et on a à peu près 140 bureaux dans les villes en Inde. Donc on travaille avec la ville, avec le gouvernement de Pondicherry, pour pouvoir mieux valoriser le patrimoine qui est en fait très très important dans la ville de Pondicherry. Et comme vous savez, l'histoire de Pondicherry est liée avec la France. Et on a un quartier français et le quartier indien. C'est en fait l'une des caractères qui est essentielle et aussi très très important dans la ville. Nous, on a commencé à travailler tout d'abord au niveau du patrimoine architectural. Mais aujourd'hui, on a une équipe d'une vingtaine d'architectes, ingénieurs, et on travaille pour le traitement de déchets et aussi essayer de résoudre tous les autres problèmes urbains qui sont liés avec la ville. On a eu beaucoup de destructions, surtout dans le quartier tamoul, le quartier indien, parce qu'avec le commerce qui a augmenté, avec la population de la ville qui augmente tout le temps, il y a une pression sur le terrain, des maisons, des magasins. Et malheureusement, on n'a pas une loi contre la démolition des maisons historiques. Il faut absolument que les gens, les citoyens, soient beaucoup plus sensibles. Vous savez, en Inde, c'est assez récemment que le patrimoine, les problèmes d'environnement sont devenus de plus en plus importants comme sujet pour la ville. On avait d'autres priorités. C'est toujours optimiste parce que j'ai vu en 15 ans comment les gens sont devenus de plus en plus conscients. La rue Vaisselle qu'on vient de restaurer pendant la durée d'un projet Asia Urbs, c'était un projet qui était en fait cofinancé par l'Union européenne. Et on avait deux villes associées, la ville de Villeneuve-sur-Lot en France et Urbino en Italie. Donc un des projets de pilote très important, le projet de restauration des façades de la rue Vaisselle, c'était un projet unique parce que le projet a payé pour la restauration des façades des maisons. Mais plus tard, les citoyens, les propriétaires de ces maisons-là ont eux-mêmes payé pour la restauration des maisons à l'intérieur. On voulait montrer que l'architecture tamoule est aussi beau que ce qu'on voit dans le quartier français, les maisons coloniales. Le problème des déchets, comme vous voyez, ça devient de plus en plus important. La ville peut-être très très belle, mais si on a des déchets un peu partout, il faut absolument résoudre ce problème. Et donc, on avait commencé un projet de pilote dans le quartier français pendant la durée du projet Asia Urbs, et c'était un très très grand succès. En fait, on est en train de mettre sur place un projet pour le traitement des déchets du quartier, pas seulement le quartier français, mais comme on appelle la ville ancienne, le boulevard. Et le gouvernement, les élus, les fonctionnaires sont convaincus que toute la ville peut devenir un modèle, pas seulement pour la restauration du patrimoine, mais le traitement de déchets, et donner un exemple aux autres régions pour le traitement et la propreté de la ville. Comme vous savez, on a un lien historique avec la France, mais ça fait quelques ans que les liens commencent à disparaître. Et nous, notre organisation intach, avec les amis ici à Pondicherry et nos amis en France, on veut recréer ce lien, renforcer ce lien avec la France. Je vois une opportunité absolument excellente, pas seulement pour résoudre les problèmes urbains, mais vraiment créer des liens culturels, des liens de business. Et comme le Premier ministre de l'Inde, M. Pandit Nehru, avait dit, après que Pondicherry est devenu partie de l'Inde, que Pondicherry sera toujours une fenêtre ouverte vers la France.
la possibilité existe. Et pendant mes visites en France, je vois que les Français veulent visiter Pondichéry. Et quand je parle avec les jeunes ici, tout le monde veut recréer cette identité et ce lien avec la France.